Passez toujours en premier. Pensez toujours à vous en premier. Waouh Ça va plaire à beaucoup de gens, ça. Je pense que c'est l'astuce la plus simple que j'ai pu donner de toute ma vie. Dans les faits, elle n'est pas si simple. Si vous voulez dépasser tous vos obstacles, battez-vous pour vos enfants, pour les autres, pour votre communauté, pour servir une cause qui vous dépasse. Oui. Mais vous ne pouvez pas servir les autres si vous ne Prenez pas soin de vous-même. Vous ne pouvez redonner ce que vous n'avez. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu ne peux pas redonner de l'énergie à d'autres quand on n'a pas toi-même. De l'amour quand tu te détestes. De la compassion <coughs> quand tu juges les autres. Tu ne peux pas passer des heures à aider des gens alors que toi-même, tu as le sentiment d'être une victime. Vous comprenez Il vous faut sortir de certains états pour enfin redonner à d'autres. Et pour redonner à d'autres, il va falloir que vous commenciez à passer en premier. Et je dis cela dans quel sens Le voici le sens. Soyez vous-même une très belle personne riche de l'intérieur. Je veux dire pourquoi Parce que c'est épuisant de prétendre être quelqu'un d'autre. C'est épuisant de sourire en permanence alors que vous êtes triste en permanence c'est épuisant d'être une victime alors qu'au fond de vous vous savez que c'est juste une excuse à la con pour ne pas vous enlever le poil de la main et vous le savez très bien c'est épuisant de porter un, un masque en permanence c'est feindre feindre en permanence c'est épuisant vous comprenez voilà pourquoi il faut commencer par vous et à partir du moment où vous allez choisir d'être une une vraie personne, d'être vraiment vous-même et de ne plus être une autre personne pour faire plaisir à d'autres, et eh bien là, vous allez cesser de gruger votre énergie et vous allez repasser à quelque chose qui va devenir, comment dirais-je, unique, authentique. Vous allez gagner énormément en énergie. Et c'est ça qui va faire toute la différence, je crois.